Pour la deuxième fois, les deux écoles de ski de l'ESF de Val d'Isère et de Tignes ont organisé conjointement leurs mémoriaux. De cette manière, la réunion des slaloms disputés sur les deux stations permet de décerner le trophée de l'espace Kili. Après le rendez-vous Tignard du matin, la centaine de concurrents venant de toutes les stations de la région s'est retrouvée au départ du slalom en nocturne organisé sur la mythique face de Bellevarde. Au total des quatre manches, Sabrina Mosselin de Tignes et Julien Boulanger de Courchevel se sont imposés et ont remporté le trophée. Bah, un peu surpris, inattendu, parce que en plus j'ai une grippe aujourd'hui, donc gros. Ah, vous étiez malade ? Ouais, donc je voulais pas participer cet après-midi parce que je voulais rentrer me coucher. Et puis c'est vrai que ce matin il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai gagné un peu par surprise. Et ce soir, belle surprise aussi, puisque je fais même troisième au général avec les jeunes, donc. Ouais, content, hein ? Ouais, je suis content, ouais. Et pour Sabrina Mosselin, même plaisir de remporter cette victoire. Bah, c'est une fierté, en fait, déjà, de gagner chez soi, bien que ce matin, j'ai fait deuxième chez moi et j'ai gagné ici à Val d'Isère, donc sur une superbe piste. Voilà, c'était super, super journée. La soirée s'est terminée comme il se doit autour d'un bon buffet préparé par l'équipe d'Antoine. De nombreux anciens moniteurs étaient là pour partager le plaisir de se retrouver.